Et c'est. Bon, c'est désormais un habitué de Radio Biarritz, mon ami René Béguet, qui est venu nous faire une petite visite. Voilà, c'est toujours un plaisir de l'accueillir. Il est toujours là à regarder un petit peu ce qui se passe. Aujourd'hui, un livre, celui de Franck Aznav. Tu l'as feuilleté un petit peu ? Ah, j'ai regardé quand même, oui, c'est intéressant. C'est un point de vue différent de certains personnages. C'est bien. Ouais, ça rajeunit un petit peu peut-être. Enfin voilà, 24 artistes qui présentent des œuvres, des tableaux, de la peinture, de l'écriture. Voilà, t'es quand même sensible à cette valorisation un petit peu de la ville de Biarritz. Oui, dès qu'on parle de Biarritz, c'est intéressant de toute façon, parce qu'on a toujours des choses à raconter sur Biarritz, que ce soit dans le surf ou dans n'importe quoi. Il se passe tellement de choses à Biarritz que c'est toujours intéressant de le relater et d'en faire des bouquins. Des lumières aussi. Tu m'as montré une très jolie photo tout à l'heure. Tu as la chance de pouvoir observer quand même. Oui, j'ai la chance d'être sur le spot. Donc, on a des fois des lumières incroyables, effectivement. Et donc, peut-être que tu seras le prochain à participer à un livre de ce type-là. Ok. Merci René. Voilà, encore un invité qu'on aime recevoir ici à la Maison du Surf. Merci à toi. On a fait